Hello tout le monde! Nouvelle semaine, nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Et chez nous, il fait un temps pourri depuis maintenant pratiquement bien plus de 15 jours. Donc on a ressorti le petit lait chaud. Qui fait du bien le matin, ça réchauffe un petit peu. Les enfants ont repris l'école, ça y est, les vacances sont terminées. Et moi j'ai déjà fait mes soins ce matin, je vous ai passé ce moment, je n'ai pas filmé. Aujourd'hui au programme pas mal de choses, je pense que la journée va vite passer. Donc déjà, là, je vais laisser reposer mes crèmes que j'ai fait hors caméra avant de partir. Comme ça, je vais voir si j'ai bien payé la cantine, voir si Maya est bien inscrite à la cantine pour le mois de novembre. Voilà, je vais tout monter partout, comme ça l'aspirateur va faire son job. Le temps que nous testons ça, juste après. Voilà, donc je vais le faire donc avec vous dans le vlog juste maintenant. Et je vais faire un réel également sur TikTok. Voilà, on va tester les produits Ella Girl, donc les nouveautés de Ella Girl. Ella Girl, c'est les nouveautés et ils sont disponibles pas sur le site Ella Girl, mais sur le site de ma copinote, donc le site LCO Beauty. Voilà, je te remets son lien de boutique juste ici et je te mets également mon code qui est valable dès 20 euros d'achat avec le code Lydie. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser parce que vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous souhaitez, dès 20 euros d'achat et c'est tout au long de l'année. Voilà, donc du coup on va tester ces produits là. Donc on a un verre qui est juste magnifique et on a le fard mono et on a le fard liquide. Voilà, donc ça je vous en parle juste après parce que je vois que je n'ai plus de batterie et qu'il va falloir que je fasse un changement de batterie. On va faire ça ce matin, je vais placer tout ça, je vais placer mon trépied pour faire le réel sur TikTok. Voilà, le ménage, la lessive cet après-midi. Cet après-midi, comme je serai maquillée, je tournerai une vidéo des produits terminés parce que ça dégueule au coin de ma porte là. Ça commence à m'insupporter très fort. Mais avec tout ce qui est arrivé, ben, comment vous dire que ben, on range peu à peu. Voilà. Il fait pas beau, hein. Depuis 15 jours, on a de la flotte. Ce week-end, samedi soir, on a eu une tempête. Alors, on a eu la grêle, on a eu le tonnerre. J'ai l'impression qu'il allait, la foudre allait tomber sur le toit. Franchement, je me suis couchée, il était pratiquement 2h du matin, samedi soir. J'arrêtais pas d'ouvrir les portes pour voir s'il n'y avait pas des dégâts. Et après, il y a eu le vent qui s'est levé. Tout de malade. Voilà, on est resté à la maison. Laura, samedi, est partie chez sa copine. Elle a dormi chez sa copine parce que sa copine lui avait acheté des produits pour son anniversaire sur Shein. Et donc du coup elle a invité à dormir, donc je l'ai récupéré des manches sous la flotte, c'était génial. Je récupère mes courses cet après-midi, voilà, je fais mes vidéos cet après-midi, du moins une vidéo. Là j'ai la vidéo donc Timou, oui parce que ça se dit Timou. Si vous avez suivi le vlog 132, je crois, dans le 132 que je le dis, non, que je dis que j'ai eu un très joli commentaire parce qu'il y a des gens, ils se croivent tout savoir, hein, ils vous donnent des leçons de morale. Je vous avais mis le petit commentaire sur le côté, sur ma vidéo, la première vidéo, donc unboxing, collaboration avec la marque Timou. Donc j'avais prononcé de diverses façons et cette personne était venue me reprendre en me disant que ça ne se disait pas comme ça et que dans ma vidéo, j'étais toute nue. Voilà, alors je lui ai simplement répondu très gentiment que je l'avais dit de diverses façons, justement comme ça, ben, je ne me trompais pas. Et, ouais, trompais pas, au moins il y avait plusieurs significations, prononciations du site, selon comment on le dit, chacun on le dit à sa façon.
Et du coup, je lui ai dit qu'elle n'avait pas bien écouté parce qu'en début, je prononce de diverses façons. Et je lui ai dit qu'à un certain moment dans ma vidéo, ben, je ne suis pas toute nue. Ça s'appelle une robe bandeau. Et cette personne l'a sûrement pas apprécié. Pourtant, j'ai été très correcte dans ma réponse. Elle m'a foutu un parpaing en me disant que non, ça se prononçait Timiou. Le E, c'était un I et le U, c'était un You. Alors, je ne sais pas si. C'est parce qu'elle elle croyait tout savoir, ou est-ce que c'était juste m'induire en erreur pour me retrouver ridicule? Je ne sais pas. En tout cas, la marque, lorsque elle m'a recontacté pour le deuxième partenariat, voilà, dans l'affiche, elle m'a écrit en haut. Alors, est-ce qu'ils ont vu que plusieurs personnes le prononçaient mal? Je n'en sais rien. Donc, en haut de la fiche, parce qu'on vous envoie une fiche avec les hashtags que vous devez mettre, avec les liens, codes et tout, en haut, il y a écrit donc que le site se prononce Timou. Le E, effectivement, est un I, mais le U n'est pas un U, c'est un OU. Donc, on prononce Timou. Donc, si tu passes par là, eh bien, écoute, même toi, tu le dis pas bien. Voilà. Non, parce que cette personne a quand même insisté en me disant que comme je disais bien Chine, je devais bien dire Timou et que on n'aimerait pas qu'on prononce mal mon nom de chaîne. Alors, il faut savoir qu'il y en a qui le prononcent très bien, il y en a qui le prononcent pas bien. J'ai envie de dire, c'est pas pour autant que je vais leur mettre un parpaing ou les. C'est pas ridiculiser, mais voilà, faire un commentaire parce que on a envie de faire un commentaire un peu négligent. Voilà. Donc ça se dit Timou. Voilà. Au moins, vous savez, si vous ne saviez pas comment on le prononçait. Voilà. Moi, je disais Temu, hein, je le lisais en français. Donc ça, c'est fait. C'est en train de télécharger, donc je vais la programmer. Ensuite, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Oh oui, parce que là, comment vous dire, j'en ai marre. En fait, là, il faut que je coupe un petit peu. Je pense qu'on va couper ça. Elle va tout égaliser parce que derrière, c'est long. Ça fait que deux rats. Même Laura a dit que c'est pas beau. Donc du coup, on va couper. J'ai rendez-vous le 20. Et je ne fais pas de mèches blondes. On part sur des mèches marron caramel avec une couleur qui se rapproche naturellement de mes cheveux, avec des mèches un peu plus foncées caramel. Ça va faire super joli. Donc après, elle va pas couper grand-chose. Ouais, parce que les mèches blondes, comment vous dire, j'en ai ras-le-bol. Et de toute façon, là, on voit qu'on ne les voit plus. On les voit juste ici, les mèches blondes, mais on ne les voit plus. Donc tout ça, elle va l'effacer. Elle va le gommer. Et comme elle m'a dit, ça sera beaucoup moins d'entretien que des mèches blondes, parce qu'avec le temps, ça se ternit, ça devient pas beau. Il faut faire des shampoings déjaunissants, et sur le caramel, ça sera beaucoup moins d'entretien. Et ben voilà, ça sera beaucoup plus joli. Du moins, elle me voit avec des mèches caramel. Donc écoutez, moi je voulais changer, donc vous verrez tout ça la semaine du 20. Oh, on a le petit soleil qui pointe le bout de son nez. Ça c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, il faut que je prépare mon swap. Il faut que j'envoie mon swap. Il faut que je le prépare et il faut que je l'envoie. Et j'aimerais, dans l'idéal, lui envoyer la semaine prochaine. En sachant que ça y est, j'ai tout. Je vais tout bien recompter. Maintenant, avec ma petite étiqueteuse. Je sais pas si non, je vais pas vous la montrer. Parce que je ne sais pas si le haul sera mis en ligne ou pas. C'est super génial pour faire les petites étiquettes. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller voir si j'ai payé la cantine. Et puis, on se retrouve plus en détail pour ces produits. Et je vais installer mon trépied pour faire le réel sur TikTok. Bon, je me suis rapprochée un peu plus. J'ai fait le début du réel sur mon TikTok. Je regarde que mon micro est bien enclenché. Et donc, on va tester les produits et la girl de chez Marina. Donc, les deux produits sont juste ici. Voilà. Donc, on a en premier lieu, et vous aurez des petites vidéos close-up, on a le Duochrome Eyeshadow. Donc, il y a 1,2 grammes. Donc, il se présente comme ceci. Donc, elle a plusieurs teintes, bien évidemment. Moi, j'ai pris le Jade.
Donc, vous allez voir tout de suite le close-up. Je vous montre juste le petit packaging. Donc, c'est des petits contenants de 1,2 g et ce sont des petits fards mono. Packaging, je trouve pas type du tout. Pour le prix, franchement, voilà, on avait beaucoup plus pire que ça. Et franchement, je trouve que la qualité est très très bien pour le prix. Donc, vous allez voir la couleur parce que la couleur, elle est juste magnifique. C'est un vert émeraude, mais tout dépend comment on le tourne, ça fait un espèce de bleuté. Donc, ce sont des fards duochrome. Voilà. Et vous aurez le prix, bien sûr, sur l'écran du produit. Dépêchez-vous, hein, je le redis. Vous avez le code Lydie qui fonctionne et qui, je crois, donne moins 10 ou moins 15%. Je m'en souviens plus. Je te le mets juste ici. Des 20 euros d'achat. Le deuxième, donc, c'est toujours de la même marque. Ella Girl. C'est le Shade Shifter Duochrome Ice Color. Donc, il se présente comme ceci. Vous allez le voir. Donc, moi, je l'ai pris en teinte Tinsel. Donc, c'est un violet. Le vert et le violet s'associent très bien dans les make-up, vous allez voir. Donc, le contenant est trop trop bien. On a une contenance de 1,5 ml. Je le rappelle, le prix est juste fou. Et je peux vous dire que vous allez le voir, il est trop beau. Le packaging est trop beau et c'est du vert. Voilà, donc niveau packaging, franchement, rien à redire. Après, vaut mieux une petite contenance qu'une grosse contenance parce que quand c'est beaucoup trop gros, eh ben vous avez plus de, on va dire, plus de mal à le terminer, surtout quand vous avez énormément de make-up. Donc moi, je préfère des petites contenances comme ça se finit plus rapidement et ça se rachète et ben voilà, ça se périme, on va dire, moins vite. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool parce que quand on a des contenants beaucoup trop importants et quand on a beaucoup de maquillage, ben, ça a tendance à rester dans les tiroirs. Et quand ben, vous voulez l'utiliser et que ben, vous l'ouvrez et que le produit vous l'avez oublié et que ben, il est sec, ben, vous êtes dégoûté. Voilà. Tandis que quand c'est des petits contenants comme ceci, on a tendance à beaucoup plus vite les terminer et c'est beaucoup plus intéressant. Même moi, je pars toujours sur des produits en format miniature, format voyage, et après, si vraiment le produit je l'utilise très souvent, ben je les prends en full size. Voilà, parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant quand on utilise un produit tous les jours, les formats full size. Donc, du coup, on va pas mettre de base, rien du tout. On va se rapprocher encore beaucoup plus. Oui, je sais que vous aimez me voir de beaucoup plus près. J'ai fait donc le réel sans make-up sur TikTok, voilà, donc vous l'aurez eu sur TikTok également. Et on va prendre un pinceau plat. Alors, est-ce que c'est ici que j'ai mes pinceaux plats? Non, je pense que c'est dans l'autre. Là, bon, j'en ai un là. C'est pas celui que j'utilise, mais bon, on va prendre celui-ci. Or, celui-ci, c'est un que j'ai dû acheter sur AliExpress, certainement. Voilà, qui sont très très bien, hein, parce que les pinceaux que je vous montre ont quand même plusieurs années maintenant. La preuve que des fois, c'est pas la peine de mettre 40 balles dans des pinceaux. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de base, j'ai rien mis du tout. Hein, on est d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur du vert en fard ici. Donc, on va juste coller peut-être des petits déco-tapes. On va faire qu'un œil et je vais prendre donc le fard et les girls. Oh, il est trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Et donc, je vais tremper mon pinceau. Et donc, on va faire ici. Alors, on va appliquer ici. Alors, je pense que peut-être à plat. Voilà. Oh là 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 là. Alors, j'ai l'impression que c'est des paillettes. Hein. Ah ouais, c'est des paillettes. Alors, du coup, je ne sais pas si ça va bien marcher. Avec des paillettes. J'aurais dû le swatcher. Non, non, c'est un duochrome. Alors peut-être que, ouais, ça. La pigmentation. Ouais, pourtant, j'ai pas pris le bon pinceau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Oh là 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 là. Il est magnifique. Mais magnifique. Regardez-moi. Et voyez comment vous tournez? Vous voyez que ça fait un effet violet? Oh là. Vous allez voir que ça va faire trop beau.
Alors, on va pas remonter trop haut. Et je suis remontée trop haut. Et on va le mettre partout, en fait. Voilà. C'est vrai que ça fait un effet pailleté au début. C'est bizarre cette texture. Oh là 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 là. Oh, mamma mia. Oh là 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 là. Trop trop beau. Alors par contre, je vais effacer un petit peu parce que moi je suis remontée peut-être un peu trop haut et ça va pas faire joli. Donc là, moi je vais insister ici. Et bien ici avec le doigt. Parce que c'est quand même un peu pailleté. Oh, regardez la beauté. Regardez, vous voyez, j'ai nettoyé, c'est beaucoup mieux. Je veux pas que ça monte trop haut. Et là, on va mettre le fard violet, dont j'ai le swatch ici. Alors violet bleu, c'est ce que ça fait, hein. Oh là 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 là, mamma mia, oh là là, regardez-moi ça. Alors peut-être que j'aurais dû faire l'inverse, on va voir. On va voir pour l'estomper avec un pinceau. Ça, je pense que ça sera mieux. On va tapoter avec un petit pinceau plat. Est-ce que j'en ai un autre? Ah, mes pinceaux plats, ils sont là-bas. Très, très chiant. Et on va tapoter. Oh là là, cette beauté. Est-ce que vous voyez la beauté? Des deux fards. Oh. Par contre, je pense que j'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû faire bleu et vert. Et on va rajouter un petit peu. J'ai pas mis de base. J'ai rien mis. Oh là là là. Mamma mia. Mamma mia. C'est trop beau. Alors, il y a cet effet de violet bleu. Alors bien sûr, après, je vais reprendre le vert pour les associer ensemble. Voilà. Voilà, on va laisser tout simplement sécher. Et là, eh ben, en fait, je reprends mon vert et je vais les associer ensemble. Oh là là. J'espère que vous voyez la dinguerie parce que franchement, c'est trop beau. Je vais même pas faire un trait de liner, on va juste mettre du mascara et je vais juste redescendre un petit peu en coin interne. Regardez-moi ça. Magnifique. Allez, on fait de l'autre côté. J'ai fait le deuxième œil et là je suis en train de me mettre l'anti-cerne et comme je regrette de ne pas avoir pris deux anti-cernes de chez Sienne. Il est trop bien cet anti-cerne. Et je suis en train de le finir. Donc du coup, regardez-moi la beauté. Regardez-moi la beauté. C'est trop beau. Je mets pas de trait de liner à rien. Ce qu'on va mettre, je me demande même si je vais pas mettre un crayon dans la muqueuse, un peu de ce style-là. Donc là, je vais juste mettre. Je vais vous reculer juste un petit peu parce que là on est beaucoup trop près quand même, faut pas abuser. C'est juste pour que vous voyez en fait la beauté des produits. Franchement, courez, courez. Alors elle a des couleurs un peu plus neutres quand même. Hein. Je crois qu'elle a des couleurs plus neutres. Après, vous n'êtes pas obligé d'associer le violet avec le bleu. Hein. Vous pouvez totalement mettre que le violet sur la paupière. Sur l'intégralité de la paupière, on va y arriver. Et également le vert, vous mettez juste sur toute la paupière. Ou alors vous mettez un fard vert et vous rajoutez ça par-dessus. Ça va faire des effets de paillettes duochrome. Hein. Voilà, moi j'associe les deux. Parce que vous voyez, oh là là, je pense que là vous voyez bien le duochrome. C'est magnifique. Moi je crois que j'ai un crayon. Donc après. De la marque Shiglam dans ces tons verts
Violet. Alors, il me faut un vert, pas un violet, parce que ça va assombrir le regard. Hé hé hé, je l'ai. Donc, du coup, on va mettre un vert. Voilà. Un rat. De cils. Alors, c'est même pas vert, c'est un. Ouais. Et je vais juste mettre du mascara. Tout simplement, c'est tout ce que je vais mettre. Et voilà, une fois fini. Bon, je vous montre. Hop, de beaucoup plus près. Regardez-moi la beauté. Je vous ai fait un réel sur TikTok. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Oh là là, il faut que vous voyez la beauté parce que vraiment, regardez-moi ça. Alors, j'ai juste mis le vert. Et la paupière, du moins, le fard liquide au milieu, bleu. Du moins, bleu-violet. Hein. Ça dépend comment on tourne, il est, ouais, il est violet là et bleu là. Et le vert, eh ben, ça fait vert, violet. Franchement, trop, trop, trop beau. Voilà, j'ai mis un petit rouge à lèvres nude. J'ai fait mes taches de rousseur. Je n'ai pas fait de trait de liner, il n'y a pas besoin. Voilà! Toujours lundi, il est 16h48. Du coup, oh, c'est pris un peu la flotte, mais il y a un peu de soleil quand même. Ça fait plaisir. J'ai toujours. Bon, j'ai un peu de noir, c'est mais le mascara qui toujours fait des bêtises. Hein, de toute façon, on en a toujours. Et j'ai toujours les produits de Marina qui sont juste magnifiques. Et qui n'a pas bougé. Trop trop bien, et la girl courait, vous pouvez y aller. Donc du coup j'ai déposé le colis parce que ce matin j'ai zappé de déposer le colis de Vinted puisque j'ai vendu la palette, donc juste Peachy. Et on est allé à Maxilo parce que Maëlia a un anniversaire et du coup j'ai retrouvé des petits trucs. Donc en l'occurrence je n'irai pas à Action puisque j'ai trouvé de très jolis papiers cadeau pour mon swap. Et je vais emballer le cadeau de petit garçon où elle va samedi. Donc on a trois rouleaux de papier. Voilà, très très bien. Un rouge, un beige et un vert. Trop trop bien. Ça, je l'ai payé 1,69€ les trois. Alors qu'à Leclerc, les trois, ils étaient à 4€. Ensuite, j'ai trouvé donc des décorations de Noël. Maxilo a toujours de très jolies décorations de Noël. J'y retournerai, hein, mais le problème c'est que ben, les gens ils vont tout prendre quoi. J'ai trouvé ça pour mettre sur les tables. On met le couteau et la fourchette. 0,99 centimes. Donc j'en ai pris 4. Puisque cette année Noël, on va le faire tous les 4 à la maison. Voilà, puisque le mari est d'astreinte. Ensuite, je ne donnerai pas le prix du jeu. Voilà. Donc, on a trouvé un jeu comme ceci. Donc, c'est le jeu No More Viking. Voilà. Donc, c'est un jeu de Viking. Donc, il doit créer des villages et bah, il doit faire des villages et attaquer les autres. Voilà. Donc, c'est à partir de 8 ans. On peut jouer de 2 à 4 personnes. Voilà. Ensuite, Maïlia, qu'est-ce qu'on a pris? Tu as des articles? Passe, tu me passes? J'ai les cheveux mouillés. Ensuite, juste un article. Et l'autre article à 2,49€, je crois. C'est ceci. Et ça, normalement, ça coûte beaucoup plus cher. C'est une assiette de conservation qui remplace le film étirable, jetable, contribuant à la réduction de nos déchets. Cette assiette est munie d'un film souple et résistant qui prolonge la fraîcheur des aliments. Fermez le couvercle à clapet. L'air s'échappe et le film couvre les aliments. Vous pouvez conserver vos aliments au réfrigérateur ou au congélateur et les réchauffer sans le couvercle au four micro-ondes. Voilà. Donc, c'est une assiette qui est comme ceci. Je l'ai testé en magasin parce qu'il y avait tout simplement une démonstration et franchement, je l'ai pris. Vous savez, quand vous faites une raclette hein, qui vous reste du fromage et qui vous reste de la charcuterie, bah, tu mets ça. Voilà. Il te reste un morceau de pizza, tu le mets dedans. Franchement, t'as pas du papier étirable. C'est cool. Franchement, top. Il fait 28 cm. Franchement,
Trop, trop, trop bien. Voilà. Vous savez que Maxilo, c'est quelque chose que j'aime énormément. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée, tout simplement parce qu'il y a Action. Et on oublie que les Maxilo ont toujours de très jolis produits. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Donc sur ce, on rentre à la maison. On est mardi et je vais me grouiller la nouille. Je vais pas vous prendre longtemps. Oui, parce qu'il est 8h52 que je viens d'amener Maëlia. Donc à l'école et que j'ai petit tout qui va arriver. Voilà. Donc pour le coup, je ne vais pas vous prendre longtemps. Donc hier, j'ai déposé les colis. Du moins, le colis Vinted. J'ai récupéré mes courses. Journée où je n'ai pas pu tourner ma vidéo produit. Terminée. Alexa s'est mis à parler tout seul. La boule à l'orage, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu, non? Elle s'est mis une voix d'homme, je sais pas. Je sais plus ce que je disais. Du coup, oui, hier, je n'ai pas pu tourner ma vidéo produit terminée. Donc, je la ferai ce soir. Pas make-upée, voilà. Parce que hier, j'ai fait et j'ai crash-testé les produits. Et les girls. Dinguerie. Dinguerie, allez sur le site de LCO Beauty. Allez-y, franchement, ils sont trop bien. Aujourd'hui, on a encore du soleil, on va en profiter. Hein, parce que hier, on a eu du soleil. On a eu un petit peu de pluie, mais c'était des petites averses très légères. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, là, je vais attendre le petit. Je vais aller déjeuner. Et puis voilà, je fais 9h-17h. Je travaille mercredi, je fais 9h-17h. Et jeudi, je fais 9h-17h. Alors en ce moment, je suis pas mal appelée. Hier, j'ai eu trois coups de fil. Alors, du moins, on adore la nouvelle génération, hein, des parents qui cherchent des assistantes maternelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire. Mais alors, je ne comprends pas comment. On peut rechercher une assistante maternelle en laissant des textos. C'est tellement plus simple d'appeler et de discuter avec l'assistante maternelle et voir si ça nous correspond. Donc hier, franchement, c'est pour ça que j'ai pas pu honorer toutes mes vidéos parce que j'ai eu une dame qui m'a appelé le matin pour la garde d'un enfant de 6 mois. Le problème, c'est que ça peut pas se faire parce qu'elle est infirmière et lui travaillait, je crois, à EDF. Voilà, donc c'était les week-ends, certains week-ends, et surtout c'était que c'était approximativement les mêmes plannings que j'ai avec le petit actuel. Et si je prends ce style de contrat, deux contrats, je me retrouvais où je ne vais plus avoir de vie, concrètement. Donc je lui ai dit non, voilà, ça pourrait pas le faire. Ensuite, j'ai eu un monsieur qui m'a appelé. C'était des restaurateurs, comment vous dire qu'il était un peu embêtant, mais je pense qu'il était vraiment embêté, voilà. Alors je ne sais pas depuis de combien de temps il recherche une assistante maternelle parce que c'était pour décembre. C'était des restaurateurs et c'était pratiquement tous les week-ends. Voilà, donc non, moi je ne veux plus travailler les week-ends et surtout c'est que je suis amenée des mois à travailler des week-ends. Donc les week-ends où je ne travaille pas, j'ai pas envie d'être embêtée tous les week-ends et je ne veux plus travailler les week-ends, voilà. Parce que si on a envie de partir chez ma belle-mère, parce que ben voilà, on vieillit, nos parents vieillissent, mes beaux-parents vieillissent, et puis voilà, et puis on a les filles qui sont grandes. J'ai tenté les week-ends, voilà, je ne veux plus, voilà. Donc j'ai mes collègues de boulot qui ne travaillent pas les week-ends et qui arrêtent à 17h30, voilà. Je parle de celles qui sont proches de chez moi. Après, celles que je ne connais pas, je ne sais pas, puisque toute assistante maternelle fait les horaires qu'elle a envie. Il y en a qui travaillent de journée très tôt, qui finissent très tard, celles qui travaillent la nuit. Moi, j'ai bien un contrat atypique. Donc, ce monsieur, ben, j'ai dû les mettre un peu les points sur les i parce que, ben, comme je lui disais que non, ben, il ne comprenait pas, parce que c'était la quatrième assistante maternelle qui l'appelait, qu'elle ne voulait pas travailler, que, elles avaient des horaires bien spécifiques. Et je lui ai dit que oui, voilà. Et puis tout dépend, l'assistante maternelle, si elle a déjà des enfants, elle va en fait. Si elle finit à 5h30, elle ne va pas finir avec un enfant jusqu'à 21h. Elle a envie d'être tranquille, elle a une vie aussi, après le boulot, une vie familiale. Voilà. Et après, j'ai une dame qui m'a envoyé un texto dont je lui ai répondu, qui m'intéresserait, ça serait pour les matins.
Voilà, le lundi matin, le mardi matin et le mercredi matin. Je lui ai répondu que oui, j'avais une place, c'était pour janvier. Eh bien, elle m'a point répondu. Je lui ai dit que vendredi, j'étais disponible si elle voulait me rencontrer. Eh bien, je n'ai pas de réponse. Voilà, donc je vais vous laisser. Aujourd'hui, boulot. Ce soir, je finis à 5h. Et à 5h, je pense que je ferai les produits terminés. Donc, je me suis fait une queue et je refais le style de coiffure. Je ne sais pas si j'ai une petite photo. Je vous la mettrai juste que là, j'ai oublié de prendre des cheveux. On a tort. C'est pas grave. Bon, allez, je vous laisse parce que le petit va arriver. Hello. Donc, on est le mercredi 8, il me semble. Je ne sais plus les jours de toute façon. Et il me semble bien que ça fait déjà 15 jours qu'on a enterré ma grand-mère. Ça passe trop vite, moi, sincèrement. Vous me direz si vous aussi le temps passe vite. Parce que moi, franchement, je vois pas défiler les journées, les semaines. Voilà. Donc, ça fait déjà 15 jours qu'on a enterré ma grand-mère. Voilà. Et je pense que vous allez entendre la machine à laver. Certainement. Peut-être pas. Peut-être que vous l'entendrez pas. C'est moi qui l'entends et vous non. Bon, là, je fais mes soins. Ben, comme d'habitude. Hein, comme tous les matins. Aujourd'hui, je travaille. Voilà, le petit était très content de revenir hier chez Nounou. Voilà, il avait plein de trucs à me raconter. On a bien rigolé. Ah, oh, il m'a fait rire. Il m'a fait rire et puis après, c'est un petit perroquet. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il répète tout. Voilà, non, non, il m'a fait rire hier. Ça fait du bien en fait. Quand ils ont cet âge-là, ça fait du bien parce qu'ils ont toujours le sourire, tout leur va bien. Ouais, moi, c'est l'âge que j'adore. 2, 3, 4 ans, j'adore ça. J'adore ça. Et puis, quand vous n'avez pas le moral, franchement, les enfants, c'est les rayons de soleil. Voilà. Donc là, il revient aujourd'hui. Donc, je travaille jusqu'à 17h. Hier soir, j'ai pu tourner ma vidéo produit terminé. Donc là, je vais l'exporter avant qu'il arrive de ma caméra. Je vais monter cette vidéo durant qu'il fait la sieste, parce que généralement, moi, je regarde pas la télévision, je travaille sur mes montages quand il fait la sieste. Petit chocolat chaud. Ça fait du bien, oui, parce que ça s'est rafraîchi. Et il faut que j'envoie aussi quelque chose. Voilà, et j'ai vendu sur Vinted la palette Make-up Révolution. La rouge, l'édition rouge, la Flawless rose, je crois que c'est. Elle est rouge avec des roses. Donc je l'ai vendue. Voilà. Et en parlant de Vinted, vous allez trouver ce rouge à lèvres. Voilà, je vais le mettre sur Vinted. Voilà, c'est un Pat McGrath. Je vais le mettre à 8 euros. Voilà, donc c'est une couleur très nude. Je l'ai utilisé très peu de fois. Hein, voilà. En fait, ces couleurs très claires comme ça, j'arrive plus en fait. C'est beaucoup trop clair pour moi, pour mes lèvres. Là, ça va faire peut-être un sous-ton un peu plus foncé, peut-être. Voilà. Ces sous-tons-là, ben, c'est un peu trop clair pour moi. Je trouve que ça ne me va pas. Voilà. Donc voilà, c'est la teinte. Alors, si j'y vois quelque chose, c'est la teinte Bip Show. Le 016. Voilà. Donc celui-ci sera la vente. Donc c'est des très beaux. Hein. Vous verrez que sur Sephora, ce n'est pas donné. Et je vais vous laisser parce que je n'ai pas plus de choses à vous dire que ça. Hein. Je fais mes soins. Je bois mon chocolat chaud. J'ai le petit tout qui va arriver. Aujourd'hui, on a encore du soleil. Là, j'ai mis le sérum de chez Fenty. Depuis quelques jours là, parce qu'il faut que je le termine. Et je l'aime trop celui-ci. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce sérum avec le nettoyant pour le visage que je suis en train de finir aussi. Voilà, qui était vendu en petite miniature comme ça. Et 50 millilitres. Et généralement, on les trouve dans les coffrets de Noël. Donc ça, c'est cool. Et puis, dans les coffrets de Noël, ils sont pas très chers. Voilà, bon, ma crème de jour, vous savez, ma crème de jour est chouchou, hein, c'est toujours la même, hein, que je kiffe, que j'adore, c'est la Garnier. Voilà, j'ai changé, hein, pourtant entre-temps j'ai changé. Alors c'est bien de changer de crème
quand vous finissez une crème, d'en changer. Voilà, pour pas que la peau s'habitue. Bon, j'ai entendu dire ça. Donc, quand je finis une crème, hein, le jour ou une crème de nuit, ben je change. Voilà. Mais la Garnier, elle sent trop bon. Mais je vous jure, elle sent vraiment trop bon. D'ailleurs, lors des promos beauté chez Leclerc, j'avais acheté le sérum que j'avais kiffé. Et je crois que j'en ai une autre. Je crois que j'en étais pris une autre, hein, de crème. Ou alors j'avais acheté que le sérum. Le sérum, il est là. Le sérum. Faudra que je regarde si je m'étais acheté une crème ou peut-être pas. Peut-être que je ne m'étais pas acheté de crème. Parce que j'ai la L'Oréal. J'en ai d'autres, hein, à tester. J'ai celle-là aussi de chez. Oh, il y en a une aussi qu'il faut que je teste. Ça sera peut-être celle-là que je prendrai. Bon, sur ce, je vous laisse. Voilà, journée tranquillou. Je suis en train de faire une machine. Je vais l'étendre. Je vais faire une activité avec le petit. Alors, généralement, il dessine, mais alors, c'est très vite fait quand il dessine. Mais généralement, il aime bien faire les livres, les couleurs. Les puzzles, il aime bien, même si il sait pas trop les faire. Et les espèces d'emboîtage de jeux, là, c'est un jeu avec un renard. Et en fait, c'est la mobilité. Il faut mettre des pièces, en fait. Il faut que ça reste en équilibre. Donc ça, il aime bien, mais il s'énerve très très vite. Et après, très souvent, il aime qu'on joue à la dinette et je joue au camion avec lui. Voilà. Donc il va arriver. Il parle beaucoup, donc c'est super intéressant. Et franchement, moi, même si vous me voyez sourire, ce qui est normal, je ne vais pas faire une tête de 3 km de long dans mes vlogs. Hein, voilà. J'ai le sourire, oui, parce que ben, la vie continue. Hein, et puis bon, j'ai des enfants, donc la vie continue. Et puis je sais que de toute façon, ma grand-mère ni mon oncle auraient voulu que voilà que la vie ne continue pas. C'est comme ça, voilà. Donc de la peine, j'en ai. Hein, chacun fait son deuil de sa façon. Mais bon, une fois que la caméra est éteinte, ça m'arrive le soir devant la télé, selon les films qu'il y a, ou ben ça m'arrive de chialer quoi. Voilà. Donc depuis le décès de mon oncle, voilà, ça m'arrive le soir. On ne sait pas pour quelle raison, voilà, comme là, voilà, j'ai l'émotion. Voilà, donc il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Donc c'est comme ça, il n'y a que le temps qui fera que ben, ça passera. Voilà, comme on dit, c'est le temps qui répare les blessures. Mais moi, je suis loin. Voilà, moi, ma famille, comme ma maman et mon papa, ben, là où ça va être le plus compliqué, c'est à Noël, quoi. À Noël, ça va être très compliqué. Donc, puis bon, là, ils sont occupés parce qu'ils ont pas mal de papiers à faire. Donc, ils sont pas mal occupés. Mais une fois que tout sera passé, voilà, je pense que Noël, ça va être très compliqué. Nous, à Noël cette année, bon, on le fait à la maison parce que le mari, ben, il est d'astreinte. Voilà. Donc, du coup, ben, on part chez ma belle-mère après, puisque l'année dernière, on avait fait Noël avec mes parents. Donc là, on fait pas Noël à mes beaux-parents, mais on y monte quand même 4 jours. Et l'année prochaine, on fera Noël à mes beaux-parents, puisqu'on n'aura pas fait Noël avec mes beaux-parents. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que le petit tout va arriver. Allez, à demain. On est jeudi. Et il est 8h15. Maëlia est en train de finir de déjeuner, elle va se préparer. Moi, je vais, comme d'habitude, faire mes soins et je vais vous montrer donc les parfums Nox, puisque on a eu les parfums Nox. Alors, il faut savoir que moi, il m'avait envoyé un message le jour de l'enterrement à ma grand-mère. Et que je n'ai pas regardé mes mails. Donc, je suis un peu en retard comparé aux autres. Voilà. Donc, du coup, je suis vraiment désolée. Donc, je mettrai un post sur Instagram dans la journée d'aujourd'hui. Parce que vous savez qu'il y a une semaine de décalage. Au moment où la vidéo sera éditée, je pense qu'il vous restera une semaine pour profiter de
de la promotion. En sachant que je vais faire une photo, que la photo je mettrai sur Instagram et je mettrai dans mon espace communauté pour que vous puissiez en profiter de suite. Voilà, puisque moi j'ai toujours un décalage d'une semaine avec mes vlogs. Donc du coup, de toute façon, il y aura la promotion, je pense, également pour Noël. Donc là, du 1er novembre au 30 novembre, donc Nox fait le Black Friday. Bon, il faut savoir que grâce à mon code, vous allez avoir moins 25%. Oui, il me semble 100 minimum d'achat, donc tout ça je te le mets juste ici. Et que pour chaque commande que vous allez faire, vous aurez un bijou, et je crois que c'est un bracelet ou un bijou aléatoire. Voilà, donc tout est super bien emballé. Donc voilà, donc c'est arrivé dans un petit carton comme ceci que moi je vais réutiliser de suite vu que j'ai une commande Vinted et que je vais la déposer ce soir. Même le parfum était empaqueté dans du papier bulle, vu qu'ils ont sorti des petits coffrets. Voilà, donc des petits coffrets comme ceci. Donc cette année, vous avez plusieurs trousses. Voilà. Non, moi, j'ai pris celle-ci. Alors, je ne sais plus laquelle j'ai pris, à quel tarif. Je regarderai également et je te le mets sur le côté de l'écran. Voilà. Bon, moi, j'ai pris celle-ci. Elle était très jolie. Voilà, elle est rose comme ceci, pastel, un petit peu arc-en-ciel. Rose et violet, voilà. Et à l'intérieur, donc dans ce kit, vous avez un parfum de 50 ml, un bijou aléatoire et un petit gloss. Selon la composition de la trousse, vous avez des compositions différentes, bien évidemment. À vous de choisir celle qui vous convient. Donc, au niveau du bracelet, j'ai reçu celui-ci. Alors, c'est totalement aléatoire, voilà. Donc, tous les bijoux sur Nox Parfum, puisqu'ils ont la catégorie bijoux, ce sont des bijoux en acier inoxydable. Voilà. Donc, vous savez que les bijoux, non, les parfums de chez Nox sont des inspirations de parfums grand luxe. Voilà. Ils ont plus de 500 références. Ils rentrent toujours des nouveautés. Maintenant, ils doivent avoir beaucoup plus de 500 références. N'hésitez pas, dès que vous arrivez sur le site, d'aller dans l'onglet tout au fond, je crois que c'est Nox, vous cliquez dessus et vous avez donc les équivalences, ils ont écrit comme ça, il me semble bien. Vous cliquez dessus et vous allez vous trouver sur les fiches où ben, ton parfum que tu as l'habitude de porter, ben, tu le retrouveras donc en inspiration. Voilà. Donc ils font des parfums femmes, des parfums hommes, des parfums mixtes, et ils ont fait donc des bijoux. Voilà, depuis l'année dernière, il me semble. Donc voilà, vous avez des bracelets, des colliers, des bagues. Il y a des bijoux également pour hommes, et ils ont des bijoux de lunettes. Voilà. Donc moi, dans ce lot, donc j'ai choisi un parfum de 50 ml. Donc chaque parfum, dans chaque composition trousse, bien évidemment, vous choisissez, lorsque vous achetez, vous choisissez le numéro que vous souhaitez. Moi, j'ai pris le 2421. C'est l'inspiration de l'interdit de chez Givenchy. Je sais que ma soeur le porte et à l'enterrement, elle avait, je trouvais qu'il sentait super bon. Je l'avais déjà testé, moi, il faut savoir, en parfumerie. Et il avait tourné, il sentait pas très bon. Et franchement, celui de chez Nox, eh ben, il sent super bon, il tient très très bien, pour vous dire. Donc, je suis très contente. Voilà, j'ai voulu tenter. Je me suis dit bon, tu tentes, il te va, il te va, il tourne. Je l'aurais donné à ma soeur, puisque elle, ma soeur, le prend tout le temps depuis des années chez Nox Parfum. Voilà, c'est son parfum, c'est l'interdit de chez Givenchy. Voilà. Donc, c'est 2421. Et pour le coup, ben, celui-ci ne tourne pas sur ma peau. Et il sent trop, trop, trop bon. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il me semble que pour les femmes, ils ont dû mettre des capuchons roses comme ceci, mat. Et les hommes, ils les ont mis aussi toujours argentés, mais il me semble que les bouchons sont mats. Et même le vaporisateur, il est rose. Voilà. Vous pouvez dévisser, vous pouvez recharger dans d'autres contenants, vu qu'ils vendent aussi un gros contenant en forme de pout-pout, là, version ancienne, qui est très très bien. D'ailleurs, il y a une composition dans Nox Parfum où dans une trousse, vous avez donc ce récipient parfum avec un contenant de 100 ml. Ensuite, au niveau du collier, donc, ils m'ont envoyé un collier aléatoire.
Voilà, donc j'ai eu celui-ci. Donc les bijoux, c'est aléatoire. Moi, j'ai eu ceci, mais vous aurez autre chose. Voilà, c'est aléatoire. Voilà. Donc, voilà. Et ils ont mis donc un rouge à lèvres. Alors, je ne sais pas si c'est un effet mat. Non, c'est un long lasting lip gloss. Voilà, de la marque Easy Paris. Donc là, pareil, les couleurs sont aléatoires. Voilà, je vais vous faire un swatch. Moi, je vous montre celui que j'ai eu, mais c'est totalement aléatoire. Voilà, j'ai eu cette couleur-ci, qui est un marron un peu rouille, j'ai l'impression. Voilà. Et ce sont des rouges à lèvres, lipstick long lasting gloss, lip gloss, brillant, qui dure 24 heures. Voilà, c'est vrai qu'il a un effet un peu brillant. À tester. Voilà, je ne connais pas du tout la marque. Donc voilà, donc sachez que si vous commandez jusqu'au 30 novembre, vous avez pas moins 15%, mais moins 20%. Donc n'hésitez pas, je vous remets le code juste ici. Voilà. Sur ce, je vais mettre mes crèmes. Je vais me grouiller la nouille. Parce que, comment vous dire que, force à force de parler, ben, le temps y passe. Maïa est en train de se préparer. Puisque je vais la déposer à l'escouela. Et ben après, je travaille. Donc, tout simplement. Voilà. Je travaille de 9h à 17h. Et demain, je ne travaille pas. La semaine prochaine, par contre, je travaille tous les jours. Je travaille mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà. Ouais, je vais garder ça parce que je vais faire la photo avec mon appareil quand il y aura un peu plus de luminosité. Hein. Voilà, je ferai ça juste après. Et puis écoutez, c'est tout pour ce matin. Hein. Je ne vais pas vous dire plus. Voilà. Hop, j'ai reçu ça de chez Nox Parfum. Donc il fallait que je vous en parle. Et puis aujourd'hui, je pense que je vous prendrai un petit peu. Parce qu'il faut. Oui, je vais juste vous montrer les contenants du swap. Parce que là, je pense que je vais commencer à tout emballer. Parce que ça y est, j'ai totalement fini mon swap. Voilà. Donc, j'ai acheté le papier cadeau. Et je vais commencer à emballer le calendrier de l'après. Comme ça, ce que je ferai avec mon étiqueteuse. Puisque je pense que tu auras vu le haul Timou. Parce qu'on dit Timou et on ne dit pas Timiou. Hein. On adore les commentaires. Hein, quand on croit savoir et que finalement, vaut mieux ne rien écrire, hein, et passer sur le chemin, aller voir si ailleurs c'est meilleur, hein, voilà, comme on dit, eh ben, c'est Timou, voilà, c'est pas Timiou, c'est pas, c'est Timou, voilà. Moi, ça ne me dérange pas quand je tombe sur des vidéos et que d'autres personnes disent pas bien le nom des marques, ça me dérange pas, voilà, parce que l'erreur est humaine, tout simplement, voilà. Donc, vous aurez eu ce haul normalement, vendredi, voilà, c'est tout. Donc, je vais faire mes petites étiquettes pour le calendrier de l'après, puisque moi j'ai repris le calendrier de chez Lidl de l'année dernière que je vous ai unboxé. Puisque, avec la personne, on fait toujours un calendrier normal, donc de Noël, et on fait un calendrier de l'après. Voilà, donc je pense que je vais commencer par faire le calendrier de l'après. Oui, c'est bon? Il y a juste à faire la queue, et ben voilà, et ben je vais les laisser. Tu leur dis bonjour, juste vite fait. Bonjour. Bonjour, voilà, et ben au revoir. On est vendredi, oui, c'est la fin de la semaine. Pouille-pouille, il fait froid, hein, donc j'ai remis mon petit pull. Et dessous, ce que je porte, c'est juste un t-shirt, un haut à manches courtes, voilà. Mais il y a des petits trucs comme ça. Donc du coup, je le superpose avec les pulls. Et du coup, je trouve que ça fait super joli. Voilà, pour ceux qui se demanderaient. Donc du coup, je vais aller assez vite. Je vais nettoyer mes yeux. Je vais faire mes soins. Et je vais déposer Maëlle à l'école. Je vais récupérer. Donc mes cours, je dois déposer un colis Vinted. Vu que j'ai vendu la palette Too Faced, la Just Peachy. Voilà. N'hésitez pas, je vous le redis, il reste encore des palettes sur mon Vinted et je vais rajouter donc le Pat McGrath que je vous ai montré. Voilà, il sera en ligne une fois que le vlog sera en ligne. Voilà, j'ai un ça dans la gueule.
Ensuite, donc du coup, hier, je vous ai dit que je vous reprendrai par rapport au calendrier de l'après de mon swap. Je vais juste vous le montrer. Voilà. Tu fermes la porte, Maëlia, si tu vas au WC. Et dépêche-toi. Hop. Donc, le calendrier de l'après de mon swap. Alors, c'est un calendrier que j'ai repris. C'est un calendrier carré comme ceci. C'était celui de chez Lidl l'année dernière. J'avais fait d'ailleurs un unboxing dessus. Voilà. Et d'ailleurs, les produits, il y a eu pas mal de petits produits qui étaient fort sympathiques. J'en ai gardé très peu. Et vous allez avoir donc un concours de Noël. Je vais tourner la vidéo cet après-midi. Voilà. Donc, du coup, vous aurez un concours de Noël. Je pense que la vidéo arrivera début décembre et que vous aurez tout le mois de décembre pour participer au concours. Voilà. Donc là, c'est pour mon swap, c'est le calendrier de l'après, voyez. Donc là, j'ai mis une petite étiquette pour fermer, il y a un petit mot. Et donc dessous, sur le calendrier de Lidl, donc on avait ce qui composait chaque case. Et donc du coup, j'ai recouvert avec mon étiqueteuse thermique que j'ai eue grâce à la collaboration Timou. Voilà, et donc bah, j'ai créé les petites étiquettes dessous. Voilà, donc je suis trop contente. Donc ça c'est fait, j'ai plus qu'à emballer donc le swap normal. Donc si vous vous souvenez, donc dans le vlog dernier, j'ai unboxé, donc je vous ai montré donc du coup la box de Noël de la boutique LCO Beauty. Et d'ailleurs je te le mets dans le petit juste ici si tu l'as pas vu parce qu'il lui en reste encore. Donc le boxing du calendrier de Noël de la marque du site LCO Beauty. Vous avez le petit coffret valisette et elle a sorti le grand coffret qui est à 75 euros. Donc le petit coffret est à 50 euros, le gros est à 75 euros et vous avez le code Lydie qui vous donne moins de 10% dessus. Donc n'hésitez pas, pensez au cadeau de Noël. Voilà, si vous avez une maman et que vous voulez la gâter parce qu'il n'y a que des produits sucrés super mignon à l'intérieur. Donc tu l'auras dans le petit, n'hésite pas à aller le voir. Et donc ce carton rouge, je l'ai repris et je vais le réutiliser puisqu'à l'intérieur, je vais mettre mon swap. Voilà. Puisque dans le swap, on a fait un calendrier du 1er au 25 et le calendrier de l'après du 26 au 31. Voilà. Alors en sachant qu'ici, il y a le 25. Donc le 25, je lui ai mis des gourmandises. Voilà. Voilà, et donc du coup, vous savez, je vous ai montré donc les parfums Nox. Donc le rouge à lèvres ici, je ne le garderai pas. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop. Et que comme j'en ai beaucoup trop, je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc je préfère vous le glisser dans le concours de Noël. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais vous dire ce matin. Hein. J'en ai dit pas mal déjà. Hein. Voilà. Donc je vais récupérer. Quelques courses, en l'occurrence, c'est vraiment 3-4 bricoles. Des allumettes pour allumer El Fuego, la cheminée. Et j'ai pris du liquide vaisselle et des produits pour les WC. Voilà, je vais aller donc déposer mon colis et je vais aller à Action. Parce que à Action, ils ont sorti donc de la marque Fabulosa, vous savez, mon spray au bubble gum. Et bien apparemment, ils ont sorti l'édition de Noël. Et apparemment, c'est une dinguerie. Il y a le spray donc pour nettoyer et le spray vaporisateur pour le textile, les rideaux et tout. Et apparemment, c'est une tuerie. Donc j'aimerais aller à Action juste pour voir si je trouvais ceci. Voilà. S'il y est, je prends. S'il n'y est pas, eh ben écoutez, je m'en. Je me rentrerai à la maison. Voilà. Donc sur ce vlog est terminé parce que je ne vous reprendrai pas. En sachant que le vlog 132 est très très long, est en train de télécharger. Je crois qu'il fait 1h20 le vlog, je me suis espantée. Ben oui, parce qu'il y a pas mal d'ouvertures de boxing. Je vous parle pas mal de troc dans le vlog dernier. Voilà. Du coup, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, bien sûr, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain vlog. Sachez qu'au mois de décembre, vous aurez 2 vlogmas par semaine. Oui, 3 vlogmas. Vous aurez le lundi, tous les lundis, les vlogmas ouverture de calendrier de l'Avent avec la personne avec qui je fais le swap. Mercredi, vlogmas. Dimanche, vlogmas. Et le vendredi, vous aurez une vidéo aléatoire. Voilà. Du make-up, un haul Action, un haul Shein, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Donc, sur ce, des bisous. Et on se dit à dimanche prochain.